Oh, une commande. Ok. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Coco Gamer, je suis French Prince et aujourd'hui on se retrouve sur Chef. Chef qui est le meilleur jeu du monde, pourquoi? Je viens de le trouver sur GameJolt, un jeu où il y a plein de jeux, un site où il y a plein de jeux indépendants. Et en fait, il me fait extrêmement rire. Je suis désolé d'avance si c'est pas votre cas, mais rien que déjà l'aspect pâte à modeler à la Wallace et Gromit, je trouve ça extrêmement drôle. Et en plus, vous allez voir. Donc en gros, le principe, c'est que vous avez une commande, il faut faire une recette, donc là, elle est affichée à droite, enfin du coup, pour vous, si à droite, et il faut la faire. Donc au début, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la recette bien, enfin normal, on va suivre l'ordre. Ensuite, on va mettre trop de sauce piquante, parce que le petit truc là, c'est de la sauce piquante. Ensuite, on va mettre pas les ingrédients qu'il faut. Ensuite, on va mettre du poison, parce que vous voyez, il y a du poison. On va faire des trucs hilarants. J'espère que vous êtes prêts pour de la rigolade, parce que moi, oui. Alors tout d'abord, les ingrédients. C'est parti. C'est parti. Tomado. Tomado. Alors, de la viande. Mettons de la viande. Je vais se profiter de la musique qui est extraordinaire. Ah. Chive. Donc la ciboulette, j'imagine. Je ne parle pas très bien. Je ne sais pas. On s'en fout. C'est de la nourriture. Et la zucchini. La courgette. Meilleure imitation de Maïté, 2014. Hop. Oh. On retourne en arrière, pas de sauce piquante, on n'en met pas, cook. Notre client, à la magnifique moustache, on va l'appeler René, Roberto, parce qu'il a un petit accent italien, comme il parle italien, sir. Et voilà! Première fin! C'est ridicule! Moi ça me fait beaucoup rire, mais. Voilà. Donc la fin. Donc maintenant, on va se tromper dans la recette. Oh, ce jeu. On s'en lasse pas de cette musique, hein. Enfin, en tout cas, moi, on se croirait dans un bistrot. Le petit troquet du coin. Avec Jean-Mi, René, Denis. Donc là, on va se tromper. Vous voyez qu'il y a deux sauces piquantes. Eh bien, on va en mettre trois. Si c'est pas génial. Internet. Tomate. Ça me fait beaucoup penser à l'époque quand j'étais très très jeune, je jouais à Adibou. Et à un moment, il y a un jeu à Adibou où il y a un frigo, il faut prendre des ingrédients, faire la recette bien. Et si vous la faites pas bien, ceux qui goûtent après, ils meurent. Super le jeu d'enfant. Non, ils mourraient pas, je sais plus. On s'en fout. Oui, on s'en fout. Complètement. Donc maintenant, un, le hot sauce. Une deuxième dose, comme désiré. Et maintenant, une troisième. Allez, une quatrième, c'est cadeau. On fait chauffer le tout, on serre. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Ça peut vous faire rien. C'est pas excessivement drôle. Sur la Rex. Ah, ma vie est nulle, on continue. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va oublier la viande, tiens. Oui, ça me paraît bien, pas une bonne idée. On va voir sa réaction, parce que là, du coup, je ne connais pas les réactions. En fait, j'ai commencé à jouer au jeu, je trouvais ça très drôle, je me suis dit, je vais faire une vidéo, allez, pam, spontanément. Voilà. Et voilà. Donc on va voir. Hop, maintenant qu'on s'est bien trompé dans la recette, on fait cuire tout ça. Ah, attention, parce que là, inédit. Okay. Oh, on est sur la blague vomi quand même. Bon, je suis un peu déçu, je m'attendais à mieux quand même. Mais on continue quand même. Donc maintenant, le clou du spectacle, parce que j'imagine qu'il n'y a plus d'autres fins alternatives, le poison. Donc au final, peu importe ce qu'on met dedans, mais on va quand même respecter la recette. Alors, le poison. On fait cuire tout ça. Du coup, ça va mal se passer, hein, bien entendu. Ugh.
Ah, ce jeu est bien ridicule. Waouh! Donc, du coup, j'espère que cette vidéo, un peu, voilà, faite sur le moment, spontanément, vous aura plu. J'avais pas prévu de la faire, mais ce jeu me fait rire. Et donc, voilà, bientôt sur la chaîne, il y aura. J'ai plein d'autres jeux comme ça, des petits jeux indépendants à tester, donc moi je vais faire ça. Je prépare du Minecraft, en fait, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, parce que j'essaie de faire des trucs bien, donc j'essaie de vous faire des let's build intéressants. Voilà, il y aura peut-être du League of Legends et des trucs dans le genre. Et donc voilà, j'espère que vous passez une bonne soirée, tiens, une bonne journée, je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Bah du coup, parce que c'est intemporel, on s'en fout. Et voilà, plein de bisous, vivre les cotis, vive notre chef. Mangez bien, très important, 5 fruits et légumes par jour. Et à bientôt. Allez, salut!